I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Eh bien, salut à tous et bienvenue sur la chaîne Torfab. Aujourd'hui, on va s'attaquer au jeu SLES 4123 version française. Il s'agit de CT Special Force Back to Hell. Donc ça veut dire retour en enfer en gros, hein, grosso modo, grosso merdo. Alors, c'est un jeu qui est édité et développé par LSP. Donc il est sorti en Europe le 12 octobre 2003. Donc c'est un jeu qui est encore une fois de plus en fin de vie, hein, comme c'est le numéro 4123. Alors le style, c'est plutôt comme un Metal Slug, et ouais. Donc vous êtes sur un run and gun, style vraiment Metal Slug, donc vraiment moi je kiffe, j'adore ce genre de ce type de jeu, ça me plaît. Et en même temps vous avez une partie shoot them up. Donc là, pour l'armée d'Orn JV, c'est nickel, hein, c'est son style de jeu. Donc en fait, c'est un jeu qui fusionne les deux styles de jeu, hein, donc c'est top. Au niveau du nombre de joueurs, on peut jouer qu'à une seule personne, et ça c'est par contre son gros défaut pour moi. C'est qu'on ne peut jouer qu'à une seule personne, à deux ça pouvait vraiment être l'éclate. Mais pour le coup, bah là on peut jouer qu'à une seule personne. Au niveau du format, vous l'avez uniquement donc en Black Label. Les textes, tout est en français au niveau du texte. Il n'y a pas de voix, mais par contre, tous les textes sont en français. Ce jeu existe également aussi sur Game Boy Advance. Hein, donc, bon, si vous voulez les deux, bon, moi je ne l'ai pas, je ne le possède pas, mais vous pouvez posséder sans problème sur Game Boy Advance. Et au niveau de la cotation, il faut compter en bon état, complet, blablabla, comme d'hab. Il faut compter entre 15 et 25 euros. Hein, voilà. Donc, pour 20 balles, vous l'avez, quoi. Je ne sais plus quel prix je l'avais payé. Mais bon, hop, je vous montre l'arrière. J'avais laissé la petite étiquette de l'ancien propriétaire. C'était marqué « Fini le 12 mars 2004 ». Donc j'ai trouvé ça marrant. Donc du coup, bah, j'ai laissé la petite étiquette de l'époque de la personne. Donc si elle reconnaît un jour son étiquette, eh bah, écoute, fais-moi signe, j'ai ton jeu. Et puis t'inquiète pas, il est dans la collecte, il bouge pas. Donc voilà, mais bon, je pense pas qu'il verra peut-être ma vidéo. J'en sais rien. Peu importe. Les gens regardent ma vidéo, ça leur plaît, bah c'est cool, hein, c'est un titre informatif pardon, sur les jeux en règle générale. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur CT Special Force Back to Hell, le jeu numéro 4123. C'est parti pour le test. Et bien voilà, c'est parti pour le test de CT Special Force Back to Hell sur PS1. Donc là en fait on va commencer la mission avec un shoot 'em up. Donc vu en hauteur. Donc c'est parti. Donc, voilà, le but en fait c'est d'escorter le convoi. Donc il y a actuellement 5 camions. Et vous pouvez combattre des hélicoptères et des tanks. Et il y a en même temps des lance-missiles qui vont vous poser quelques petits problèmes. Donc c'est un jeu, faut choper le coup de main, hein, c'est pas évident. Surtout que là, j'ai pas changé de mode, je suis en mode normal. Donc il est loin d'être facile. C'est pour réparer en fait son hélicoptère. Pour l'instant ça va, je tiens le coup. Hop.
Donc voilà, mission accomplie déjà au niveau du shoot 'em up. Donc là, on va s'attaquer donc au run and gun façon vraiment façon comme j'avais dit Metal Slug tout à l'heure. Voilà, type Metal Slug, mais vraiment beaucoup moins fun par contre. Hein. Je refoute. Donc là, c'est parti pour la mission 2. Donc là, c'est en mode run and gun. Donc façon Metal Slug, donc c'est très drôle. Vous voyez, voilà. Donc là, je vous explique la vie. Donc là, premier abord, ça paraît un peu lent. Après, c'est un peu plus rapide. Vous avez des armes, des mitraillettes et tout, des grenades. Donc c'est vraiment très drôle. Là, vous pouvez changer d'arme, donc celle-là elle envoie pas mal. Donc après vous pouvez prendre les munitions qui sont à votre droite. Voilà. Hop. Voilà, je fais un speedrun. Hein. Il y a un moment où on peut prendre carrément un petit char, donc franchement c'est excellent, j'adore. Je vous explique comme quoi vous pouvez taper avec des grenades. Hop. Donc voilà. Donc là ça va être marrant. Donc vous pouvez utiliser donc carrément le char d'assaut quoi. C'est un peu long, hop. Et vous voyez, hop, vous rentrez dedans et puis vous pouvez tirer sur les ennemis, donc c'est super drôle. Donc voilà ce que je pouvais vous dire de ce petit jeu très sympathique. C'était Special Force Back to Hell. Et bah écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. Un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Un petit abo si c'est pas fait. Des petits commentaires. Et puis je vous dis, hein, franchement, c'est un jeu à posséder si vous aimez tout ce qui est Metal Slug. Et si vous aimez un petit peu jouer sur du shoot 'em up, et ben voilà, ce jeu est fait pour vous. Ben écoutez, je vous dis à bientôt. Ciao !